on rate sa journée de mariage. On arrive défoncé. Défoncé. Défoncé, ouais. Il y a plein de possibilités en vrai. Il y a ton ex dans la salle. Putain, c'est vrai. Ton ex, c'est tout, première loge. Et il se lève, et au moment de dire s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, il se lève. Ouais, et puis c'est franchi quelque chose. On pense encore à mon ex. Oh, ah, mais au moment, l'église, elle débarque. L'ex, elle débarque au mariage. Et elle, te saute, elle lui saute dans les bras, et tout, comme dans les films. Oh non, mais horrible. Et là, elle finit morte. Elle arrive défoncée. Défoncée, ouais. Alors là, bah s'il n'y a pas le mari, hein. Ah ouais, ah, qu'il n'est pas là, il est ouais. Ouais, je dirais ça. Ça pour toi? Ouais. Prends les pieds dans le tapis, tu sais, quand t'avances. Ah ouais, ouais, tu tombes. Tu te casses la gueule devant tout le monde. Ah, c'est triste en vrai. Quand le mec il te quitte, le jour du mariage. Ah ouais, le jour du mariage, il te next et tout. Ouais. Ah ouais. Il te lâche un nom devant tout le monde. Ah ouais. Un nom devant tout le monde. La honte. La honte de ta la vie. Honte. Ah, mais t'es pas trop tourné. Ta famille, tout, tes ouais, amis. Oula. La même chose. Ouais, c'est le comble. C'est le comble. C'est le comble. Vous pourriez niquer le mariage de votre ex ou pas? Ouais. Bah, sans problème. Ah ouais, il a tellement niqué ma vie, je le fais. Ah ouais. Tu te venges? Ah ouais. Franchement, non. Non. Gentil. Ouais, mais c'est bon, le Dieu, il s'occupera de ça. Ouais. Ouais. T'arrêtes tout. Voilà. Des fois au mariage, il demande s'il y en a qui veulent pas que les mariés, qui veulent se poser, moi je pense que si il y a ça, ça gâche tout. Bah. Ouais, bah pareil aussi quand si t'exploses ta robe ou un truc comme ça là. Ah ouais, c'est fini après les photos. Ouais, c'est fini exactement. Ouais. C'était pas, enfin déchirer sa robe, arriver en retard. Quelque chose. Au moment où c'est trop tard. C'est ça, oui. On arrive défoncé. Défoncé, ouais. Il y a ton ex dans la salle. Putain, c'est vrai. Ton ex, c'est tout, première loge. Et il se lève, et au moment de dire s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, il se lève. Ouais, et puis c'est franchi quelque ça, chose. Merde. Avec une robe mal faite, un brushing mal fait, rien qui va, c'est mort. Tout mal, quoi. Ouais, tout mal. Rien t'as plus envie de regarder les photos, ouais, de famille. Exactement, flemme. Ouais. Et toi? Bah moi, du coup, une embrouille familiale, au dernier moment, genre... ma famille qui s'embrouille ou je sais pas, un truc qui flotte ou tout le monde, au moment de manger d'un coup ça se tape et tout, voilà. Balance les assiettes. On va éviter du coup, voilà. Moi j'aime bien jouer là, tu l'étrangles là. Ivre. Avant le mariage. C'est ça. Au moins tu tiens pas debout. Au moins t'es pas stressé, ça va. Pas du tout. C'est un projet, c'est un projet. Comment ça? Ça c'est notre vie ça. Ça c'est notre vie ça. Moi je sais pas du tout. Pas non, que l'ex, qui vient et tout au mariage, oh ça c'est trop compliqué. Oh non. Bah ouais, qu'il y a quelqu'un qui fasse tout foirer, je sais pas du tout. Je sais pas. Quoi? Non mais déjà si le mec il arrive en retard, ça ah c'est... Ouais, ah ça ouais, alors, ouais. Alors là non. Après, s'il y a une demande de mariage pendant mon mariage, ça je vais pète mon crâne. Non là, on pense encore à mon ex. Oh, ah non, mon église, elle débarque. L'ex, elle débarque au mariage et tout. Et elle te saute, elle lui saute dans les bras et tout, comme dans les films. Oh non mais horrible. Et là elle finit morte. J'ai baisé ta meuf la semaine dernière. Ouais, putain. Ouais. Là c'est ça. Ouais, et là il dit tout là. Voilà. Et toi? Si la robe elle se déchire, ah ou ouais, je sais pas. Ah ouais, dans tout le monde, ouais. Qu'elle se retrouve à voile. Ou alors que quelqu'un intervienne et qu'il fasse une déclaration le jour du mariage, ça c'est bof aussi. Ah ouais, ah ouais, quand il fasse sa déclaration en même temps que toi, alors ouais, que toi ouais. Qui doit être mis en avant et tout. Ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est vrai qu'il te prend un peu ta place et tout. Et toi? S'il pleut, parce que moi je vais me marier en extérieur. Donc s'il pleut, c'est mort. Il pleut ou il neige. Ouais, c'est pas possible. Il y a Miami et tout au soleil, ouais, dans la mer. Pour sécuriser le... Pour être sûr, parce qu'en plus c'est des mois avant, donc s'il ouais, pleut là, ouais, et tout... Tu peux pas trop calculer... Ouais. Ça c'est compliqué. D'accord. Ouais. Donc t'as vraiment s'il pleut et tout. Ouais, c'est. Un gros coup de vent et tout ça. Ouais, c'est la catastrophe là, vraiment. Ah ouais, là ça te nique tout là parce que tout le monde va penser à lui. Non. Mais si ça te concerne pas, c'est une de tes potes. C'est mais je sais pas. Après, les gens ils sont tous sur eux alors que ouais, c'était à la base. C'est vrai, vous. Mais c'est à la fin. Et ouais, en vrai, c'est à peu près tout. Hein. Après, tant qu'il y a. Ouais, bon, c'est vrai qu'il y a un truc grave qui se passe, genre un accident, ça. Mais sinon, non, je vois pas. Ah ouais, que tout le monde s'affole et ouais, tout. Voilà. Ouais. Exactement. Bah, pareil, je pense, sinon, déjà, si la personne a dit non à ton mariage, là, je pense si que... Si elle dit non gâché, oui. Là, ça va être gâché, ouais.